jure, man. Ben voyons donc. Hey, après cette date-là, là, il a fallu que j'aille m'acheter un siège en beng. J'étais pas capable de me déposer à Noun sur aucune surface. Ah, mais t'es chanceuse, toi, au moins, tu dates. Moi, te le dire, en ce moment, j'ai la fourche à l'image de la Gaspésie l'hiver. Moi, personne va là. C'est chanceux, ça dépend de ce qui tu tombes. Hey, j'ai pogné un gars il y a 2 semaines, un gars. Une guimauve, man. Il m'invite à souper chez eux, il cuisine, c'est bon, on a du fun. Je m'en vais un peu horny, je fais comme, va dans ta chambre. J'arrive, il est à genoux dans le coin en train de réfléchir. Ah, moi qui venais de gaspiller 2 cubes de glace pour me durcir les bouts. Ah, non, ma fille, ah, non. Nous autres, ça va nous prendre des mâles, des vrais. Tu sais, un homme des bois. Ah, ouais. Un gars qui sent le feu même en sortant de la douche. Et que Dieu nous garde des chochottes qui nous écœurent avec le caprice. Ah, tu sais, le genre de gars, t'es dans un bar, hein? Tous tes chums sont là, tes pompettes, tes ponzeurs, il arrive, lui. Ouais, B, faudra retourner à la maison parce que moi, j'ai envie de faire caca. Arc. Arc. Regarde, c'est pas compliqué, on cherche un gars qui pisse dehors. Puis qui chie partout. Ah, c'est un chien que ça nous prend. Viens licher ma tante. Non, nous autres, ce que ça nous prend vraiment, c'est un gars qui a le charisme de Roy Dupuis. Puis la carrure à Roy. Puis les grosses mains sales à Roy. Puis le beau d'Arger à Roy. Le cul à Roy. Ce qu'on veut, c'est que Roy Dupuis vient de nous parler des rivières à 2 pouces de la fourche, un peu pompette sur le bord d'un feu de foyer. Non, mais ça existe plus, là, le vrai gros mâle adulte, mature, là, comme notre Roy. T'sais, un gars qui te prend sur l'établi avec ses deux mains et ses doigts qui ont tous déjà perdu un ongle. Ouais, t'sais, un gars là, qui te ramasse les deux seins à une main parce qu'il se garde l'autre pour te verser un verre de rouge. On cherche un animal au lit. Ouais. Un animal. Mais bien dressé, par exemple. Ouais. Un gars qui te déchire la robe sur le dos avant de te manger à minoune, puis que le lendemain matin, comme par magie, il te l'a recousu, puis il est repassé. Puis ta robe aussi. Ouais. Ah, puis notre animal, on le veut pur sang. Pur sang. On veut des pures races. Pure race. On veut rien savoir des intolérants. Hein? Ouais. Pas d'intolérants au gluten, puis surtout pas d'intolérants au lactose. Ah non. Moi, je veux pouvoir m'endurer des crèmes fouettées à grandeur, hein, sans que le gars me coupe mon buzz en me disant « Ouais, excuse-moi, je vais juste pouvoir te faire un sein parce que moi, quand je prends trop de produits laitiers, je ballonne. » En fait, il a le droit d'être intolérant à une affaire, c'est les bières aux arômes de fruits. Ah, ça, il a le droit. D'ailleurs, il a jamais dit ça, le mot « arôme ». C'est trop chic pour notre homo sapiens, ouais, ça. Ouais. Non, c'est pas vrai. Il l'a dit une fois, puis c'était vraiment malgré lui. C'était comme « Bébé, cet été, je t'amène à Rome. » Ouais, parce qu'on veut un gars qui a un peu d'argent aussi. Mais pas mal d'argent. Ouais, bien de l'argent. Ben, riche. Parce que nous autres, on est cassé frette. Ah, nous autres, c'est pas rare qu'on se met un café team sur la carte de crédit, là. Puis c'est pas rare que ça passe pas. Non. Mais le critère des critères chez l'homme recherché, c'est un gars qui boit. Ah, ciel, un bon buveur! Ouais. Hey, y a-tu de quoi de plus plate qu'un gars qui boit pas en fin de soirée? Sandale! Ah, ben, je toi, t'es là dans le char démoli. Moi, je fume une clope, parce que même une tourne. Oh, rockabye, baby! Puis lui, il est là à côté. Là, Mané, tu dis un peu excité, tu lui dis, m'a faire une petite gâterie, mon cochon. Attache-toi, c'est dangereux, là. Ouais. Non, bégarde, je suis pas propre. Il y a une grosse journée, hein. Attends, maison. Voyons, man, laisse-toi aller. Moi, j'ai plus de goût, plus d'odorat depuis 4 heures après-midi.